My name is chef Christian d'unité de la Emmanuel, formation au Centre africain and d'études et de recherche I de am terrorisme. with the Africa J'ai Center for l'estime Strategic honneur Studies. I have ce the matin honor ou cet après-midi chez moi ici this à morning Alger or this afternoon, d'être le modérateur wherever de you cette are, to be session the qui est moderator of dédiée this session aux efforts that communautaires is pour la dedicated to the prévention et community-based la endeavors réintégration des ex-combattants to dans reintegrating le former contexte de la fighters prévention et la lutte in the contre context of l'extrémisme countering violent. violent extremism. Lors de la session 4 qui s'est déroulée le mardi dernier, vous avez eu à traiter des questions liées aux approches de la police communautaire adaptées aux jeunes et aux genres dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Au cours de cette session, vous avez examiné et discuté en long et en large des approches stratégiques idoines pour pouvoir assurer l'engagement des jeunes dans les efforts de police communautaire. Alors aujourd'hui, lors de cette session, nous allons franchir un autre palier. Nous allons maintenant voir quels sont les efforts qui peuvent être mis en place au niveau communautaire pour pouvoir assurer la réhabilitation et la réintégration des anciens combattants dans les communautés. Vous savez que beaucoup de pays africains sont présentement face à cette situation. Soit ils sont encore en proie au phénomène de l'extrémisme violent, soit ils viennent d'en sortir. Et on assiste donc à un déferlement de plusieurs personnes, jeunes, hommes, femmes, qui, pour des raisons diverses, abandonnent leurs activités d'extrémisme violent et regagnent les communautés. Alors, cela pose beaucoup de problèmes. D'abord, des problèmes avec des systèmes de justice pénale qui, en règle générale, sont fragiles et sont débordés par toutes ces personnes qui affluent, qui sont souvent associées à ces activités. Et ça fait donc une surcharge de ces systèmes carcéraux, dans ces systèmes pénaux. Il y a aussi forcément des problèmes que je pourrais appeler des problèmes de cohabitation entre ces acteurs de la violence extrémiste et les membres de la communauté. Et donc, pour cela, il faut que les États qui font face à ce phénomène puissent être en mesure de mettre en place, s'ils ne les ont pas encore mis, des stratégies viables, idoines, qui puissent faire face à cette situation. Et pour ceux qui les ont déjà mis, qu'ils puissent trouver des mesures pour renforcer ces stratégies pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Alors, donc, pour que nous puissions en long et en large examiner, étudier ces questions, j'ai aujourd'hui avec moi deux orateurs, le docteur Anneli Botta et monsieur Peter Olowo. Excusez-moi si je prononce mal, mais je crois que ça doit être ça. Eh bien, je vais très brièvement vous présenter les deux orateurs pour que vous puissiez savoir qui va vous parler. Le docteur Anneli Botta est professeur associé au département d'études politiques et de gouvernance de l'University of Free State d'Afrique du Sud. Je n'ai pas voulu traduire le nom de l'université, je l'ai gardé en anglais. Elle est également chercheuse et consultante. Ses études portent sur le terrorisme et l'extrémisme violent. En 2003 et 2016, elle a été chercheuse principale sur le terrorisme à l'Institute for Security Studies, ISS, de Pretoria. Après avoir obtenu un diplôme d'honneur en politique internationale, elle s'est jointe au service de police d'Afrique du Sud en 1993, période au cours de laquelle elle s'est concentrée sur le terrorisme et l'extrémisme religieux. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'université Rand Afrikaans, obtenue en 1999, qui portait sur le développement historique du terrorisme, de l'extrémisme religieux et du pagad. Elle a obtenu son doctorat à l'université de l'État libre, étudiant la radicalisation et le terrorisme. Elle a écrit sa thèse sur le
le thème radicalisation et passage au terrorisme dans la perspective de la socialisation politique au Kenya et en Ouganda. Son champ d'intérêt porte particulièrement sur les causes profondes du terrorisme, la radicalisation et des stratégies antiterroristes. Le deuxième orateur, comme je l'ai dit, c'est M. Peter Olowo, qui est membre fondateur de l'équipe de soutien à la réhabilitation Serendi. Il en est présentement le chef d'équipe adjoint. Il possède une vaste expérience des questions de stabilisation et de redressement post-conflit, expérience acquise notamment en soutenant la loi d'amnistie en Ouganda, en rétablissant les capacités de la commission DDR au Soudan du Sud et en contribuant aux initiatives de l'UNESCO dans la région de l'Afrique de l'Est. Donc, pour que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, le vif de notre discussion, je vais me tourner vers le docteur Annelie Bouta. Bonjour, chère Annelie. Dites-moi un peu, comment pouvez-vous nous présenter la panoplie d'interventions qui qu'offre les programmes de réhabilitation? Good day, Christian, Mr. Tibbs. Bonjour, merci encore beaucoup de l'opportunité du Centre africain de la CESA, des études stratégiques. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Pour répondre à votre question brièvement, parce qu'on veut avoir des engagements, des discussions à ce sujet, il faut comprendre deux principes fondamentaux. Tout d'abord, comment réagir à ces anciens combattants? Est-ce qu'on a une réponse militaire? Les anciens combattants de la série, nous avions des insurgences typiques où on recrutait les combattants de l'étranger qui rentrent au pays d'origine. La question donc est de savoir comment allons-nous réhabiliter et réinsérer ces anciens combattants au pays, dans leur communauté. D'un autre côté, il y a la menace qui ressort où nous avons des organisations qui sont très différentes du processus DPR que nous suivions d'habitude, par exemple dans le cas de la Somalie, ou dans certains cas dans les conflits au Nigeria au départ. La question donc est de savoir comment considérer ces conflits. Cela va avoir un impact immédiat, à savoir comment intégrer et réinsérer ces anciens combattants. Certains mouvements d'insurgence que nous avons actuellement, que nous suivons actuellement, une réintégration, tout ce processus de réintégration suit un flux, une voie très différente, ou si c'est dans un cadre de la justice pénale, si les gens ont déjà été incarcérés et qui donc ont déjà vivent leur peine en prison. Dans la plupart des cas, nous analysons les situations à haut risque ou à risque faible. J'ai vu des situations de la Somalie, par exemple. Si une personne a rendu les armes, cette personne est considérée être à un risque inférieur. Mais si c'est une personne qui a été arrêtée, alors immédiatement, cette personne va être interprétée comme étant un risque plus élevé. Cela va influencer la façon par laquelle les démarches qu'il faut prendre. Si c'est une personne à haut risque, il faudrait les amener au tribunal. Comme en Somalie, la personne sera arrêtée, poursuivie en justice. Et dans
d'autres cas, la personne qui a rendu les armes de façon volontaire, il y a tout à fait un autre processus à travers les centres de réhabilitation. Pendant une certaine période, il y a un engagement constant avec ces personnes, avec le centre de réhabilitation, à savoir pourquoi même cette personne s'était jointe à ces groupes terroristes. Comment donc encourager cet engagement? Si vous avez des programmes d'amnistie qu'on peut leur offrir, il y a le potentiel de réhabilité qui est plus importante, ou quelquefois il faut voir s'il n'y a pas de possibilité de réintégration. La première principe, c'est à savoir comment la personne va être vue et traitée qui a rendu les armes ou contrairement à la personne qui aurait été arrêtée. Ceci permet l'opportunité pour que ces personnes puissent être réhabilitées, réintégrées à travers d'un grand nombre de programmes, comme on l'a vu en Somalie, une meilleure compréhension où on s'est engagé avec des structures formelles, où les gens se trouvent dans un centre, où il y a des processus spécifiques pour les réintégrer. Dans les cas où les gens reviennent des pays en conflit, qui reviennent par exemple en Europe ou au Kenya, c'est plus compliqué. C'est à savoir comment gérer cette situation. Je vais m'en arrêter là, donc, avec cette approche et à savoir comment les interventions prennent lieu. J'espère que les gens comprendront bien les différences entre, à savoir, notre évaluation et comment nous discutons de la question de la réintégration. Est-ce qu'il s'agit d'une zone de conflit? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait, ou est-ce que nous voyons ça comme une personne qui a été arrêtée, donnée une peine, qui est incarcérée pour le réintégrer cette personne, contrairement à ceux qui se sont rendus? Je pense qu'il faut donc comprendre cela, à savoir comment nous allons évaluer la réussite à court terme et à long terme dans ces deux cas-là. À vous la parole. Merci beaucoup à Anneli pour ces explications très, je dirais, exhaustives sur les différentes formes d'intervention. Et je vais vous inviter un peu plus tard à vous appesantir sur les principes, mais il n'en est pas encore question. Je voudrais plutôt me tourner vers Peter, qui, comme je l'ai dit dans la présentation, jouit d'une grande expérience de soutien à ces différents programmes de réhabilitation et de réintégration. Alors, je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez nous définir les avantages comparatifs qui existe entre les acteurs gouvernementaux et les acteurs non gouvernementaux dans la mise en œuvre de ces programmes. Is the question to me or is the question no, to à Peter? Yeah, thank you very much. Merci beaucoup, Emmanuel, et bon après-midi à tous. À tous les participants, je voudrais prendre l'opportunité de remercier le Centre africain, le Centre d'études stratégiques africain vis-à-vis cette discussion aujourd'hui. La réintégration, la réhabilitation a beaucoup évolué depuis quelques années. Depuis le
Nous avons vu des changements entre les conflits conventionnels jusqu'à nos jours, ce qui nous fait face. On a vu ça depuis le 11 septembre vis-à-vis l'évolution, les changements du terrorisme. Ce qui a créé le besoin d'avoir des nouveaux programmes de réintégration préalablement dans le DDR. Si nous avions, par exemple, dans le cas de Soudan Sud ou d'autres pays, il y avait des programmes dans certains pays de l'Afrique, l'Ouganda, Burundi, parmi d'autres. Il y avait donc des anciens combattants qui ont rendu les armes et c'était bien pratique pour le programme DDR. Mais aujourd'hui, nous avons des programmes de réintégration et de réhabilitation, mais suivant les contextes, ceci présente bien des défis parce que avec Al-Shabaab en Somalie, nous avons en Ouganda, au Kenya, Boko Haram, au Nigeria. Alors, ceci a fait de sorte que la réhabilitation et la réintégration ont des faces très différentes. Mais en nous penchant sur la question, il faut voir plutôt que de regarder les avantages comparables, est-ce qu'on peut regarder les différences entre le rôle que jouent les États et les organisations non étatiques? Et ceux-là sont complémentaires plutôt, je trouve, plutôt que de faire une comparaison. Il n'y a pas d'avantages comparatifs tellement, c'est plutôt une histoire de complémentarité entre les acteurs étatiques et non étatiques. Le gouvernement a un rôle de fournir l'encadrement juridique où peut s'accomplir la réintégration. Et puis, ça dépend du contexte aussi. Nous avons l'infiltration transfrontalière, comment gérer ces frontières. Alors, le gouvernement a le devoir de fournir l'encadrement juridique. Nous avons vu le cas en Ouganda qui avait un acte d'amnistie qui a fourni la base pour la mise en œuvre de leur DDR pour fournir l'amnistie pour les combattants du LRA, surtout. Nous avons vu dans le cas en Soudan Sud le rôle compréhensif des accords de paix qui ont mené à augmenter ou à diminuer les réponses. Nous avons vu dans des endroits tels que la Somalie, nous avons vu les combattants à haut risque qui sont incarcérés ou ceux qui sont à risque très faible dans des centres de réhabilitation. Le gouvernement fournit des mécanismes pour les anciens combattants parce que le gouvernement a une responsabilité d'assurer la sécurité de la population. Et ça, c'est très important parce que les anciens combattants, ceux qui rendent leurs armes ou qui fuient les organisations violentes, le gouvernement a le devoir. Et cela doit se faire par l'État. De suivre les lois internationales des droits de la personne. Il faut assurer aussi la sécurité économique des anciens combattants à travers de nombreuses activités de la formation. Le gouvernement a aussi le devoir d'assurer
l'influence politique sur les anciens combattants y inclut la participation dans l'espace politique. Il est très important que beaucoup de ces anciens combattants se sont engagés pour des raisons politiques, sociales, économiques, et donc il faut comprendre les causes, les raisons pour lesquelles ils se sont rejoints à ces groupes d'extrémistes. Donc il faut mettre en place des programmes qui peuvent adresser, ça doit être fait sur mesure de la situation, dans le contexte de la situation pour ces anciens combattants qui sortent de ces organisations terroristes. Alors, du côté du gouvernement, le gouvernement a donc un rôle, l'État a un rôle, et pour les acteurs non étatiques, les organisations de société civile, les communautés ont un grand rôle. C'est les communautés. C'est les communautés d'où proviennent ces anciens combattants, les communautés quelquefois soutiennent ces personnes. Les insurgents ne peuvent pas survivre sans l'appui des communautés, n'est-ce pas? Alors, après avoir après la réhabilitation ou le passage dans le système pénal, c'est là où les anciens combattants vont se réintégrer, c'est dans la communauté d'où ils proviennent. Les acteurs non étatiques ont des liens, des connaissances avec ces anciens combattants, avec la communauté, qui peuvent promouvoir la réconciliation et pour que ces anciens combattants soient mieux acceptés dans leur communauté. Donc, ces acteurs non étatiques jouent un rôle très important pour faire le lien entre les anciens combattants et la communauté. Les ONG, puis fournissent aussi un contre-narratif un contre-narratif à des anciens qui appartenaient à des groupes comme Al-Shabaab. Ils ont aussi la capacité de faire de sorte de retourner, de réhabiliter ces anciens combattants, ce que ne peut pas toujours faire l'État. Merci. Merci beaucoup, Peter. On peut retenir de votre intervention de tout à l'heure que les rôles joués par les acteurs étatiques et non étatiques sont importants et ils sont complémentaires. Et il varie selon le contexte dans lequel se déroule le programme. Alors, donc, je vais revenir vers Amélie et lui demander, dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez envisager, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer comme option stratégique qui soit idoine pour que la réhabilitation et la réintégration se fassent de façon effective et surtout comment est-ce que dans quelle mesure les approches de police communautaire peuvent améliorer ces efforts. Merci beaucoup de la question. C'est une très bonne question, une question bien complexe en même temps. Alors, je vais dire ce que je pense est critique, essentiel à long terme. Je pense tout d'abord et tout premièrement, il nous faut, et j'ai entendu dire Peter,
Il nous faut comprendre les raisons pour lesquelles les gens se sont rejoints à ces organisations. Souvent, nous voyons tout cela de la part des organisations, du point de vue des organisations et que représente l'organisation. Mais en fait, il y a une grande différence entre pourquoi l'individu se joint à l'organisation et pourquoi l'organisation existe. Il nous faut donc personnaliser notre approche suivant les circonstances. Quelles sont les circonstances qui ont permis que cette personne soit radicalisée? Alors, en ce qui concerne les combattants à l'étranger qui se sont déplacés à l'étranger, la Syrie, Somalia ou ailleurs, ou que ce soit les questions de déplacement transfrontalière, la Somalie, quelqu'un qui, pourquoi les gens se joignent à une organisation telle que Al-Shabaab, pourquoi? Il nous faut donc adresser et analyser les régions pour savoir pourquoi les gens se rejoignent. C'est bien complexe. Alors, deuxièmement, ce que je voudrais dire ici, c'est que, encore une fois, je ne veux pas revenir à la question des processus DDR et puis des programmes de justice. Alors maintenant, on parle d'approche de justice criminelle. Nous ne parlons pas ici d'approche DDR, mais il faut aussi garder cela en tête. Les processus peuvent se ressembler, mais il y a une différence entre ces deux approches. Alors deuxièmement, je dois aussi parler de sécurité. La sécurité de la communauté, en premier lieu, et aussi la sécurité aussi vis-à-vis de la personne qui est radicalisée, de la personne qui doit être réinsérée, réintégrée. Voilà, c'est un spectrum de questions qu'il faut considérer dans ce processus. L'environnement est critique. Les circonstances sont importantes à considérer. Et il faut aussi voir comment les crimes, par exemple, normalement ont lieu. On parle ici de personnes qui sont impliquées, par exemple, dans l'utilisation des drogues ou par exemple, des personnes qui sont associées à un groupe de gangsters, etc. Et des personnes, ces mêmes personnes qui doivent être réinsérées et réadaptées à la société. Alors, il faut aussi considérer la question. La question qui est liée à l'environnement, qui a stimulé ou qui a incité ces personnes à devenir ce qu'elles sont, ou aussi considérer la communauté. Est-ce qu'elle a été à l'origine de ces mouvements d'insurrection et de rébellion? Donc, il faut regarder ces circonstances locales et voir les raisons derrière ce qui s'est passé. Voilà, c'est le point de départ qu'il faut voir. Il s'agit ici de certaines questions fondamentales. On parle de ces personnes qui sont réintégrées, réinsérées dans la société. Et il faudrait qu'on considère donc ces idéologies, ces organisations derrière tout cela et que la situation de ces personnes. Il faut aussi garder en tête le bien-être de ces personnes. C'est fondamental. C'est une question de sécurité. Alors pour moi, personnellement, je vois aussi qu'il y a aussi une question qui est liée à ce que je viens de dire, la communauté dans laquelle la personne a été radicalisée et la communauté qui ne soutient pas donc ces idéologies d'organisation et qui arrivent. Je ne pense pas qu'il faut faire la présomption que tout le monde donc soutient Al-Shabaab qui a été radicalisé pour se joindre à cette organisation. Il y aura dans certains cas, dans la plupart des communautés qui diront que nous ne sommes pas d'accord, qui ne sont pas d'accord avec ces communautés, ces organisations, mais qui vont sympathiser avec certaines conditions. Alors, quand on parle de personnes réinsérées, réintégrées, il faut toujours considérer cette question suivante. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Et s'il n'y a pas cet esprit de confiance établi, s'il n'y a pas de possibilité de rejoindre l'organisation, donc il faut considérer certaines raisons, deux raisons. Alors, première raison, on parle de non-appartenance. On parle, de...
Alors, on parle de personne qui peut sentir qu'elle appartient ou qu'elle n'appartient pas à la communauté. Est-ce que la personne est considérée comme étant externe? Est-ce qu'elle est traitée avec beaucoup de suspicion? Alors, si la suspicion, le doute existe, alors il y a donc cette attraction d'organisation et qui regarde les choses différemment. Et il y a aussi l'autre point qui dit que dans cet esprit de sécurité, c'est qu'il y a la possibilité que la personne soit affectée, qu'elle soit réinsérée, réintégrée, bien sûr, et à qui on peut faire confiance par les forces de sécurité et qui peut aussi et qui peut aussi recommettre ces actes de terrorisme. Nous avons aussi vu aussi dans les attaques en Somalie, nous avons certaines personnes qui se sont repenties et qui ont regretté et qui se sont encore tournées vers ces actes terroristes. Donc aussi, on parle de question de confiance. Cette question de confiance doit être mutuelle, des deux côtés. Je pense que pour bâtir cet esprit de confiance, ça peut se faire à travers un engagement, ça peut se faire à travers une construction de relations entre les deux côtés. Vous avez soulevé cette question d'engagement. Vous avez aussi soulevé la question qui est liée aux raisons pour lesquelles cette personne s'est jointe à ces organisations terroristes. La réalité, c'est que à travers les recherches que j'ai fait moi-même et mes collègues, nous avons interviewé des personnes qui se sont jointes au groupe Al-Shabaab et aux autres organisations, et nous avons trouvé que la façon avec laquelle les gouvernements ont répondu à travers cette question de déradicalisation et de terrorisme a en fait contribué à ces phénomènes. Il y a cette question d'abus de pouvoir, il y a aussi bien sûr c'est des questions de traitement en tant que citoyen secondaire, il y a aussi cette question liée aussi à ces traitements. Donc nous avons aussi interviewé des gens au Kenya, nous avons d'origine somalienne, nous avons vu que ces personnes étaient considérées comme étant coupables de certains actes, et nous avons aussi vu que ces personnes n'ont pas accès aux services développés que d'autres ont. Et cela nous mène à la conclusion qu'il faut absolument donc considérer ces questions de privation, ces questions de questions. Alors peut-être que ces personnes sentent que ne sont pas données et ne sont pas octroyées certains avantages en tant que les autres membres de communauté. Alors ces circonstances existent bel et bien, et nous avons considéré certaines approches de réintégration, de réhabilitation. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, qu'il y a donc ces impacts sont importants à considérer. Ce sont des choses qui existent. Cela demande de notre part que nous ne prenions pas uniquement en compte la personne qui est déradicalisée, mais aussi prendre aussi en considération ce processus de déradicalisation et de raisons derrière lesquelles tout cela arrive. Il y a aussi, ce sont des choses qui sont difficiles à considérer, des choses difficiles à cerner. Je dirais que nous parlons ici de police de proximité, et on parle de relations de confiance qui doit être bâtie dans cet esprit. Nous avons insisté sur ce côté, nous avons insisté sur le fait que la communauté doit avoir donc ses intérêts communs et que doit agir dans l'intérêt de toute la communauté. C'est l'objectif de la police de proximité. Vous avez des programmes en place, on peut avoir les programmes en place, mais la question à poser est à quel degré un officier de police peut intervenir et peut travailler pour assurer que les choses marchent dans les règles de l'art. Alors, par exemple, si vous avez, par exemple, des situations, quand j'ai fait des recherches, si vous avez, par exemple, des situations dans lesquelles un officier de police qui intervient et qui est, par exemple, sur un plan régional, il y a toujours des considérations ethniques qui sont impliquées dans le processus. Alors, des fois, la, le
l'officier de police ne représente pas la communauté. Et il faut donc avoir cette question de confiance préétablie. Alors, le deuxième point est qu'il faut absolument regarder l'interaction au niveau d'une station de police, par exemple. On peut avoir un programme en question, on peut avoir un programme en papier, mais il faut se poser la question suivante. Est-ce que, par exemple, la personne doit aller, par exemple, pour reporter un crime à la station de police? Est-ce que cette personne va, bien sûr, être regardée comme étant suspect ou victime? Alors, si cette personne est regardée, considérée comme étant de suspect, alors, sans être radicalisée, je ne mentionne ici même pas la question de radicalisation. Cette question, donc, cette personne doit, bien sûr, traiter cette question de confiance et voilà, donc, vous doit regarder la police comme étant une entité qui sert ses propres intérêts. Quand on voit ce genre de rôle, je vous encourage à se déplacer au-delà du concept de police de proximité et regarder cette entité comme étant appliquée, bien sûr, en pratique dans des communautés fiables, pas uniquement dans des endroits où les gens opèrent de manière aléatoire. Alors, il faudrait considérer cela comme étant très important. Vous voyez, dans le nord du Mozambique, dans le Kenya, dans d'autres pays, vous avez aussi des cas d'organisations comme Boko Haram au Nigeria et au-delà. Il faudrait poser la question, quelle est la relation en premier lieu entre les acteurs étatiques et les gouvernements et la communauté sur le terrain? Alors, est-ce que si nous avons la politique, c'est important, mais il faut la mise en œuvre, la mise en pratique. Si nous avons une politique qui est mise en œuvre et mise en pratique, vous allez pouvoir trouver une solution. Mais si ce n'est pas le cas, et si nous n'avons pas une situation ou des circonstances dans lesquelles les gens se sentent, qu'ils reçoivent les intérêts, qu'ils reçoivent les bénéfices, rien ne va se passer. Je pense que la raison pour laquelle les gens se joignent à Al-Shabaab était liée à des raisons économiques, politique, économique. Je sais que c'est une question de nationalisme. Nous avons été invité à regarder et à cette question de près. C'est important pour essayer de comprendre des processus de radicalisation au Kenya et puis au Mozambique. Alors, si nous adressons ce processus de déradicalisation et si nous voyons cela comme étant un processus d'une seule facette, on ne va pas réussir notre mission. Il faudrait qu'on comprenne qu'il est important de comprendre les raisons pour lesquelles les gens se joignent à ces organisations, adresser ces raisons. Et cela demande de notre part une compréhension de la personne qui a été déradicalisée et aussi essayer de voir une introspection pour essayer de comprendre les circonstances qui existent et qui ont facilité et incité ce processus de déradicalisation. Alors, si nous regardons ces circonstances, on va comprendre et réussir notre mission. Mais c'est une mission de long terme. Merci. Merci beaucoup, Anneli. Je retiendrai de votre longue explication que les options stratégiques dépendront des options stratégiques efficaces dépendront d'abord des raisons pour lesquelles les membres de la communauté se sont engagés dans les groupes terroristes ou extrémistes violents, et aussi comprendre pourquoi ces groupes existent. À ce moment, on pourra trouver des réponses qui puissent porter sur le terrain. Et aussi, donc, prendre en compte tous les autres aspects de l'environnement bien précis où va se dérouler le programme à mettre en œuvre. Et je vais me tourner donc vers Peter et demander à Peter quels sont les rôles que les acteurs du domaine sécuritaire peuvent jouer pour faciliter la réintégration des ex-combattants. Vous avez suivi dans l'explication de d'Anneli, elle a beaucoup parlé de l'action des acteurs du domaine sécuritaire. Alors, en me basant sur votre expérience, je voudrais que vous puissiez nous dire
qu'est-ce qu'il peut faire pour que le programme de réintégration des ex-combattants puisse être effectif? Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Dr. Anneli, de votre intervention. Nous parlons ici de conflits. Les conflits doivent être adressés à partir des causes racines. Les effets des conflits, est-ce qui est visible? C'est ce qu'on voit. Les conséquences, c'est ce qu'on voit. Donc, il faut essayer de comprendre donc, les effets aussi, les causes racines. Je pense que votre intervention a été très claire. Je veux dire que nous avons donc des circonstances qui ont été prononcées en Ouganda et en Somalie. Nous avons vu des choses se produire. Il est important de pouvoir regarder les causes racines parce que les gens se joignent pour une raison. Il faudrait donc, ça peut être des raisons personnelles, politiques, ça peut être des raisons sociales, ça peut être des raisons, ça peut être n'importe quelle raison. Et si vous dites que, alors, si nous utilisons une approche qui ne considère pas, qui ne se, à toutes ces raisons, donc je pense qu'on va tomber dans une, dans des approches un peu difficiles à comprendre. Il faudrait noter l'importance et de tout cela. Alors, quelles sont les causes racines de tout cela? Alors, le contexte dans lequel ces conflits se produisent sont des contextes qui changent de manière rapide parce que les groupes terroristes changent. Des fois, ils changent d'organisation politique, terroriste à des organisations politiques. Les contextes sont très dynamiques et ont tendance à changer de manière rapide et exponentielle. Ceci me ramène à dire et à parler de certains acteurs sécuritaires, des groupes militaires qui font face à des groupes d'insurrection, des groupes de police, et bien sûr à toutes les organisations sécuritaires. Ils sont des rôles importants à jouer. Ce sont des rôles primordiaux qu'il faut. Donc ici on parle d'efficacité. Les acteurs de sécurité doivent jouer un rôle primordial et vont continuer à jouer ce rôle pour essayer de comprendre ces causes racines. Alors, on commence par un niveau de prévention et on commence cela par parler d'un programme police de proximité. On parle ici de programmes importants pour combattre tout cela. Alors, les acteurs de sécurité ont un rôle, comme j'ai dit, primordial à jouer dans la sensibilisation des communautés, des masses, et ceci doit être aussi couplé avec doit aller main dans la main avec d'autres initiatives. Il y a aussi cette question liée, donc, comme j'ai dit, à ces initiatives qui doivent accompagner donc, les initiatives de police de proximité. On parle de ressources importantes humaines. On parle, par exemple, ce qui s'est passé en Ouganda. On a vu maintenant des programmes, par exemple, de maintien de certains programmes. Nous avons donc des programmes volontaires au Kenya, comme j'ai dit, en Somalie. Nous avons vu certaines choses se produire qui vont main dans la main avec ces programmes de police de proximité. Les polices, les forces de sécurité ne fournissent pas des fois de la sécurité. Donc cela a créé et donne l'occasion à certains groupes terroristes de s'infiltrer. Alors si vous regardez tous les contextes, vous voyez que les gens se joignent des groupes comme Al-Shabaab pour essayer de fournir une certaine sécurité à eux-mêmes. Donc, pour eux-mêmes, ce sont des gens qui se joignent pour une raison ou pour une autre. Alors, pour les programmes de prévention, je dirais que ces programmes de prévention sont importants parce qu'ils fournissent des efforts pour combattre ces effets, ces groupes terrorisme. Il y a des prises de décisions qui sont importantes à prendre. Quand on traite de certains groupes comme Al-Shabaab, on parle d'un groupe spécifique, mais il y a d'autres groupes
Alors, ces jeunes gens, ces jeunes femmes et hommes sont confrontés à des situations difficiles et quand ils prennent des décisions, on voit qu'ils ont besoin de réassurance, ils ont besoin de réassurance. Surtout quand ils choisissent de quitter de ces programmes terroristes. Je pense que cette question de sécurité est importante. Il y a des gens qui font face à des forces sécuritaires. Nous avons des gens, par exemple, qui veulent être intégrés dans ces programmes et il faut considérer certains aspects importants. Est lié à cette question de réassurance, comme je viens de le dire, comment ces personnes vont être traitées, comment ils vont être traités par les militaires. Il y a des forces armées au Somalia qui ont des SOP, qui incorporent des gens qui étaient engagés dans des processus militaires auprès d'Al-Shabaab, etc. Ceci est important. Donc, ces traitements sont importants à considérer. On parle ici de droits humains, on parle de lois, on parle de traitement. Il y a des gens qui sont traités de façon correcte, mais il y a des gens qui ne sont pas traités correctement. Il faut donc regarder cette question de traitement. C'est là où je dirais que les forces de sécurité doivent assurer donc un certain équilibre entre les agendas politiques et les agendas social et économiques. Il faudrait surtout dans la lutte contre le terrorisme, la violence, il faut qu'il y ait cet équilibre, cette balance pour essayer de voir comment les agendas de sécurité, les agendas qui sont liés aux droits humains. Et c'est là où les acteurs de sécurité doivent donc intervenir pour assurer que cet équilibre est assuré. Donc il faudrait que on voit des membres de famille qui sont affectés, on voit des gens qui sont donc impliqués dans tout ce processus. Alors ceci dit, il faudrait qu'on y ait donc cette. Je reviens à cette question d'équilibre entre les forces de sécurité et ces questions de droits humains. Les militaires doivent sécuriser des moyens de négociation, de médiation, pour des problèmes existants. Et aussi, comme je l'ai dit auparavant, il faudrait aussi, si par exemple un membre d'insurrection, essayer de comprendre comment, par exemple, capituler au service militaire si le traitement n'est pas bon et si le traitement n'est pas correct. Donc, déjà, il y aura un problème dans le processus et c'est là où les groupes d'insurrection vont résister ou les organisations d'insurrection. Dans les programmes de réinsertion, de réhabilitation, j'ai vu se produire certaines circonstances. J'ai vu, par exemple, des questions, des problèmes liés, par exemple, en Ouganda, j'ai vu des programmes ou des problèmes de sécurité. J'ai vu certaines personnes qui, par exemple, mènent des groupes terroristes, veulent se sentir sécurisées, veulent sentir cette question de sécurité. On parle ici de menaces, on parle de groupes d'insurrection et donc la sécurisation est importante et la sécurité est primordiale. Il y a aussi des interfaces entre les agences de sécurité. Il y a des gens qui peuvent ne pas se mettre d'accord concernant des interventions qui concernent les enfants. Mais ici, quand on parle d'interface entre des agences de sécurité et les groupes d'insurrection, de certaines personnes qui ont quitté les groupes d'insurrection. Il faut adresser cette question de réassurance. Aussi, nous avons vu dans le DDR et dans le DDR non traditionnel, nous avons eu des groupes de sécurité qui ont incorporé des anciens combattants et des membres de groupes, des ex-membres de groupes d'insurrection. Nous voyons donc les raisons derrière lesquelles ces gens se joignent à des groupes d'insurrection. C'est cette question d'action limitée à l'éducation, accès limité donc à certaines infrastructures de base, à certains services de base. Donc, on voit que ces raisons sont clés.
Bien sûr, quand voilà, alors quand les gens se voient certains groupes quittent, donc certaines personnes quittent ces groupes d'insurrection, on voit qu'ils ne sont pas donc sujettes à des programmes de suivi, de coordination au sein de la communauté. Ce sont voilà parce que la communauté est une voilà incorpore des gens qui bénéficient de ce programme et on voit que ces gens ces communautés ont besoin de réassurance. On a cette question de sécurité mais cette question de réassurance est importante. Alors ces programmes de réhabilitation a besoin de cet aspect de réassurance. Ces membres doivent se sentir sécurisés, c'est une responsabilité collective, voilà, la communauté, les forces de sécurité et puis des membres généralement. Nous voyons que ces aspects doivent être pris en compte. Ce sont voilà des aspects importants qu'il faut prendre en considération. Qu'il faut donc un rôle de contrôle, de suivi à jouer. Nous voyons que cela peut manquer dans certaines circonstances et c'est la raison pour laquelle nous avons des cas dans lesquels certaines personnes se trouvent dans des groupes où ils ont tendance à manquer de réconciliation. Par exemple, on voit des fois qu'il y a des cas de réconciliation qui n'ont pas été faits et que des groupes d'insurrection font beaucoup de choses et les communiqués, voilà, ces victimes voient que les victimes ont besoin de cette responsabilité, ont besoin de cette, et cela n'est pas fait dans certains cas. Cela, il y a des risques qu'on voit. Nous avons des communautés où les membres ne se sentent pas sécurisés, les bénéficiaires de ces programmes de déradicalisation n'ont pas certains droits et n'ont pas. En Ouganda, par exemple, après quelques années, nous avons remarqué plusieurs cas de suicide parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas pu s'adapter au sein de ces communautés et nous avons considéré cela comme étant un élément important. Alors, essayer de soutenir et puis ces gens qui ont subi des situations traumatiques n'est pas facile. C'est quelque chose qui est fait au sein de la communauté, au niveau de la communauté. Comme je l'ai dit, la sécurité est un aspect important. Les agences de sécurité doivent jouer un rôle important dans cette question de réinsertion et de pour faciliter le rôle à ces personnes. Alors, le point final que je voulais mentionner concerne les relations civiles militaires. C'est un aspect important. Nous avons vu des cas dans lesquels les relations entre les forces sécuritaires, les forces militaires et les communautés deviennent importantes. Nous avons bien sûr ces relations, nous avons vu ces relations se produire et je dirais que le processus de réintégration, de réinsertion est un processus. Quelquefois, il est difficile d'avoir une ligne de démarcation claire où certains processus s'arrêtent et comment ce processus de réintégration, de réinsertion se produit et continue, surtout quand la personne se joint à la communauté. C'est l'une des choses importantes et critiques qu'il faut considérer. Le processus de réinsertion est important dans certaines situations. On ne voit aussi que certains processus de réinsertion est fait d'une certaine manière. Je vois qu'il y a des évidences et des preuves dans lesquelles certains programmes de réinsertion continuent au sein de la communauté, se poursuivent dans les règles de l'art. Cela est important, c'est la raison pour laquelle les acteurs de sécurité ont un rôle primordial à jouer dans l'intervention, dans le processus d'efficacité pour assurer une certaine efficacité, pour assurer que la paix et le bien-être sont assurés et qui jouent un rôle important, une approche holistique et intégrale dans le déroulement de ces processus. Je pense que
Cela est important. Le docteur Anneli a discuté aussi de certains programmes au Kenya. Les agences de sécurité ont un rôle important à jouer et il faut le jouer. C'est pour s'assurer que ces gens se réintègrent et sont insérés dans la communauté sans aucun problème. Merci. Merci beaucoup, Peter, pour cette élaboration très, très exhaustive. En fait, qu'on peut résumer en disant que les agences de sécurité ont un rôle important à jouer, mais en jouant ce rôle, il faut qu'ils s'assurent d'être en phase avec le respect des droits de l'homme, afin que ceux à qui ces programmes sont adressés puissent être réassurés d'être en sécurité et qu'il y ait une confiance qui naisse entre les bénéficiaires de programmes et les agents des agences de sécurité. Alors, donc, au vu de tout ce qui a été dit, tout ce qui vient d'être dit, je vais demander à Anneli, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principes essentiels qui doivent servir de sous-bassement à ces programmes pour qu'ils soient réellement effectifs? Merci beaucoup, Dr. Peter, pour vos commentaires. Et merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vais commencer par adresser certaines questions. Premièrement, je veux parler donc de certains aspects qui va nous aider à comprendre les circonstances derrière donc tout cela. Il est important et primordial de réaliser que et de se demander pourquoi donc la personne s'est joint ou pourquoi au premier lieu s'est joint à ces organisations. Alors comment pourrais-je m'exprimer dans ce cas? Alors nous en tant qu'êtres humains, on essaie toujours de revoir des analyses coûts-bénéfices dans nos prises de décision. Et la question qui se pose ici est que si je vois que les avantages de désengager est plus fort que les coûts de l'engagement, que les gens vont se désengager en fin de lieu. Donc, il faudrait qu'on crée un environnement dans lequel les avantages de désengagement est supérieur aux coûts qui sont encourés et qu'en étant membre de l'organisation, Ça commence donc avec la perspective de l'individu. Je suis d'accord avec Peter, c'est un processus à long terme. Ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre et que cela ne va pas prendre quelques jours. C'est vraiment un processus à long terme. Je me suis engagée avec des gens très, très engagés avec Al-Shabaab qui ont fait cette réhabilitation. Ils se sont bien réinsérés dans la société. On reste en contact. Et ils disent que c'est un processus continu, mais en créant un environnement où les gens pensent qu'ils ont beaucoup à perdre. Donc, dans ce cas, un jeune homme qui était marié avec un jeune enfant, avec des responsabilités différentes, ayant un environnement où il se sent inclus, d'avoir un environnement où il pense il perdrait davantage s'il se rejoignait à ces groupes. Et puis, je pense aussi qu'il nous faut comprendre qu'on ne peut pas obliger une personne de se désengager. Mais les gens qui se sont engagés de point de vue idéologique à une organisation, ça peut prendre longtemps à défaire cela. On ne peut pas projeter combien de temps ça va prendre. On ne sait pas ce qui est dans le cœur ou dans l'esprit des gens. Ce qu'ils disent peut être différent de ce qu'ils ressentent parce que l'approche coût-bénéfice
est importante. Si les gens disent « Ah, j'ai bien compris, je ne vais jamais recommencer », c'est très différent de ce que les gens ressentent dans leur cœur. Il faut bien se le dire. Et puis aussi, comme Peter a dit, il faut voir aussi comment les gens de la communauté se ressentent vis-à-vis la réintégration de la personne. Et c'est très important aussi pour la réhabilitation de la personne. Est-ce que c'est le père de la personne ou le fils d'une personne qui s'est rejoint à l'organisation? Il faut voir le point de vue de la communauté. Il nous faut passer plus de temps, plus d'énergie à voir les raisons, à voir les sentiments. On peut utiliser des moyens durs, militaires, c'est peut-être une solution à court terme, mais vous allez voir le problème qui va se repointer encore une fois, comme nous l'avons vu dans beaucoup de conflits avec des raisons sous-jacentes qui ne sont pas résolues. Et puis aussi, la stratégie des organisations, il faut aussi voir non seulement les risques faibles, mais les cas de risque à haut risque. Souvent, on essaye de régler les problèmes qui sont les plus faciles à régler, qui sont les gens qui se sont joints à ces groupes pour des raisons économiques, par exemple, ou qui voient un bénéfice immédiat de se rejoindre à une organisation. On n'a même pas commencé de discuter comment gérer les personnes qui ont été radicalisées, qui ont été portées en justice, poursuivies en justice, qui ont fait une peine en prison, et qu'en est-il si cette personne n'a jamais été déradicalisée? On ne peut pas garder une personne incarcérée à perpétuité. Alors, à quel point est-ce qu'on va se focaliser à savoir comment gérer les personnes qui ne veulent pas être déradicalisées? Et je sais que dans certains cas, des gens ont peut-être une réponse facile à la question, mais ensuite, je me penche immédiatement sur la question des droits de la personne. Et c'est donc une préoccupation que ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais ce que nous faisons qui importe. Et cela aussi va être interprété par l'autre côté. Et nous ne voulons pas encourager les gens de se joindre aux organisations terroristes. Donc, c'est un équilibre très difficile à maintenir et j'espère que nous allons nous pencher sur les solutions à long terme plutôt. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anneli. Alors, très brièvement, je vais demander à Peter, est-ce que vous pouvez nous faire un aperçu rapide de l'équipe Serendi, dont vous êtes le vice-président, et en quoi consiste le programme et quelles sont les réussites enregistrées sur le terrain, très brièvement. Merci. Oui, merci beaucoup. Oui, ce sont les gens qui se sont enfuis. Nous cherchons à soutenir la réinsertion et aussi de fournir un programme national et fournir des services de réhabilitation justement pour ceux qui se sont enfuis ou capitulés. Et en Somalie, pour les hommes, et puis nous avons un centre pour les hommes, et puis aussi un centre pour les femmes, et puis il y a aussi des centres de réhabilitation et de réintégration, réinsertion pour les enfants.
Alors, le programme fonctionne par une amnistie, un programme, une politique d'amnistie est en place. C'est ce qui a fait son succès dans ce contexte-là. On pourrait dire que nous utilisons des approches non traditionnelles, mais ce qui a fait que ce programme ait vu des réussites, c'est que c'est un mélange d'approches personnalisées, fait sur mesure, pour répondre aux demandes des personnes qui sont dans le centre. Les besoins individuels, donc nous avons des objectifs qui vont prendre place entre 6 mois et pas plus que 12 mois. Et donc les réussites depuis quelques années dans les centres d'éducation, nous offrons des formations, des services médicaux. Et ce qui a été introduit aussi, c'est de formation avec des compétences. Et lorsqu'ils quittent le centre, ils ont donc un métier, des opportunités économiques. Et ceci a vraiment fait la réussite de ce programme, c'est que chaque programme est personnalisé à chaque personne. Merci beaucoup.